Bonjour à tous, hier j'ai terminé mon 10e Ironman. C'était l'Ironman de Thun en Suisse et aujourd'hui je vais partager avec vous cette expérience en vous racontant ma course, tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Alors voici le t-shirt de finisher et la médaille de finisher. Alors c'était vraiment très dur, hein. Il y avait la canicule, il a fait 33 degrés. Mais regardez, la région est tellement belle que je me suis bien amusé. Alors derrière moi, il y a le lac où on a nagé. C'était un peu plus loin. Hein. Ici, je me trouve à Spitz. Et l'Ironman était à Thun, à environ 15 km d'ici. L'eau était pas si chaude, 18,5. Combinaison obligatoire. Normalement, 18,5. C'est vraiment agréable en combinaison. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu très froid après 1 km seulement. Et ensuite, de plus en plus froid, je sentais plus mes doigts. Je me suis senti vraiment mal, j'avais la tête qui tournait. J'avais presque envie d'appeler un bateau d'assistance. J'étais en hypothermie. Ça m'est jamais arrivé sur un Ironman. Même au Danemark, à l'Ironman de Copenhague, où il faisait 16-17 degrés l'eau. J'ai pas eu froid et là à 18,5 j'ai eu très très froid. Alors d'un autre côté, j'ai jamais été aussi sec de ma vie. Avec mon nouveau programme de nutrition, j'ai beaucoup fondu. Alors peut-être que je suis moins résistant au froid, je ne sais pas. En tout cas vraiment très très dur, je suis sorti de l'eau complètement gelé, je tremblais. J'ai pas pu m'alimenter au début du vélo. Au bout de 15 km, ça a commencé à aller bien et là j'ai pu suivre mon plan nutritionnel comme prévu. J'ai essayé de rattraper un peu ce que j'avais pas mangé et bu pendant les 15 premiers kilomètres. J'ai jamais réussi à complètement rattraper mon retard, mais ça allait bien. J'ai fait un vélo tranquille, j'ai pas voulu pousser, donc j'ai fait un vélo moins rapide que d'habitude, mais c'était dans ma stratégie. Le but était de garder vraiment des forces et de l'énergie pour faire une bonne course à pied après. Alors, comme prévu, je suis descendu du vélo en pleine forme. J'ai commencé à courir à moins de 5 minutes par kilomètre. J'étais vraiment très très à l'aise, super content de mon plan, très très optimiste pour la suite. J'avais plein d'énergie, je courais avec une foulée vraiment légère, mais il faisait vraiment très 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 chaud, donc 33 degrés à l'ombre. Pas beaucoup d'ombre, au soleil évidemment encore plus chaud. Et bon, je me suis bien aspergé, je me mettais de la glace sur la tête, sur les bras. J'ai même mis de la glace dans mon short de course. D'ailleurs, ça c'est une stratégie que j'ai appliquée hier, c'est que j'ai changé d'habit. J'avais une trifonction en vélo à manches mi-longues que j'ai changé contre un short et un petit débardeur en course à pied. Alors la course à pied, ça s'est super bien passé jusqu'au 10e kilomètre. Ensuite, c'est devenu un peu plus dur. J'ai pas trop ralenti, hein, mais je sentais que c'était plus dur. Je sentais que ça allait être vraiment, vraiment, vraiment difficile d'aller jusqu'au bout à ce rythme. J'arrivais pas trop à ralentir non plus. Hein. C'était ma foulée, c'était vraiment pas un problème musculaire, c'était vraiment un problème de chaleur. Évidemment avec la chaleur je me déshydratais, j'avais de la peine à beaucoup boire et progressivement ça devenait de plus en plus dur et vers le kilomètre 18 j'ai marché un tout petit peu pour essayer de faire baisser la température, c'était pas forcément très efficace, j'ai recouru et vers le kilomètre 22 j'ai chopé ma première crampe, une crampe à l'ischio-jambier, j'ai dû m'arrêter pour stretcher. Ensuite, je suis reparti en marchant, le temps de vraiment faire partir complètement la crampe. Après, j'ai pu recourir, j'ai alterné marche-course, mais je commençais à perdre beaucoup de temps. Donc mon marathon vraiment beaucoup moins bien que prévu. Je visais un peu moins de 4 heures et j'ai tout juste réussi à faire moins de 5 heures. Mais voilà, il y a eu pas mal d'abandons. Moi, j'ai réussi à terminer. Je termine largement dans la première moitié. Je suis 30e de ma catégorie sur plus de 100 participants. Donc plutôt content avec le volume d'entraînement après 4 ans de pause.
J'avais pas de grands objectifs. C'était mon objectif moins de 11 heures. L'objectif pas vraiment atteint. Mais le vrai objectif, c'était de terminer, de prendre du plaisir, de tester un nouveau plan nutritionnel, un nouveau plan de course. J'ai de la peine à dire si c'est vraiment réussi, si mon plan de course et mon plan nutritionnel sont efficaces, vu que ça n'a pas marché au final. Mais est-ce que ça n'a pas marché à cause de la chaleur? Ou vraiment parce que le plan n'est pas totalement au point? Je sais pas, il faudrait que je reteste encore une fois. Bon, ce sera pas tout de suite. J'ai beaucoup trop d'autres choses à faire en ce moment. Alors justement, mon plan nutritionnel à vélo, c'était pendant le premier tour de 90 km de manger mes propres barres énergétiques, celles que je vous ai déjà montrées. Je mettrai un lien à la fin pour que vous puissiez fabriquer les mêmes si ça vous tente. Et pour le deuxième tour, je suis parti sur des gels. Donc premier tour, une barre toutes les heures, plus des boissons énergétiques avec une petite capsule de sel dans chaque bidon. Pour le deuxième tour, toujours la boisson énergétique avec le sel. Et là par contre, je suis parti sur des gels. Au début, des gels Winforce. Et vers la fin, des gels Morton, des hydrogels. En tout cas, je me sentais vraiment bien pour le début de la course à pied. Donc j'ai vraiment l'impression que le plan nutritionnel a fonctionné, mais que c'est vraiment la chaleur qui a été fatale pour moi. Durant toute ma carrière, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec la chaleur. Ça va un peu mieux avec l'âge, je supporte mieux le chaud avec l'âge, peut-être grâce à mes voyages en Thaïlande. Mais ça reste pas facile. 33 degrés, je pense que pour personne c'est facile. 33 degrés à l'ombre, une atmosphère assez lourde. Ça a été vraiment très très dur. Pour la course à pied, le plan nutritionnel était de prendre un gel tous les 8 km et de bien m'hydrater. Toujours un verre d'eau plus une autre boisson. Donc soit du coca, soit une boisson énergétique. Pendant les 10 premiers kilomètres, ça s'est super bien passé. Et ensuite, c'est devenu très très dur. Alors, voici quelques données sur mon parcours vélo. Il y avait 180 km avec environ 2000 mètres de dénivelé. Selon ma Garmin, un peu moins. Selon le parcours officiel, un peu plus. Donc on va dire 2000, hein. Officiellement 2002, selon ma Garmin 1008, je ne sais pas qui dit vrai. Mais en tout cas, un parcours magnifique, certainement le plus beau parcours vélo que j'ai fait. Une vue sur les montagnes, sur les sommets de 4000 mètres au loin. Des belles descentes, un bon revêtement. Un endroit où on traverse une forêt, on passe par-dessus des ponts magnifiques couverts en bois. Il y avait aussi une super descente où j'ai fait 85 km/h de vitesse. Vraiment, j'ai adoré ce bout. Les montées, pas trop dures. Beaucoup de montées, mais aucune vraiment raide. Donc tout passait bien. Pour varier les positions, j'ai fait toutes les montées en danseuse. Le reste en position aéro. Il y a quelques passages trop dangereux où c'est interdit d'être en position aéro. Mais en tout cas, toujours un revêtement très très bien. Et aussi un super balisage de l'organisateur. Vraiment rien à redire de l'organisateur. Une des meilleures organisations. Alors Ironman, c'est toujours bien organisé. Mais là, vraiment Ironman de Thun, bravo aux organisateurs. Et quelques données pour la course à pied. Donc les premiers kilomètres, je courais à un peu moins de 5 minutes au kilomètre. Je marchais pendant les ravitaillements, ce qui me faisait une moyenne de 5,10, 5,20 par kilomètre. Vraiment parfait pour réussir mon objectif de moins de 4 heures. À la fin, j'ai revu mon objectif et j'ai visé moins de 5 heures, ce que j'ai réussi de justesse. Et pour y parvenir, je me faisais des petits trucs mentaux. Je me disais, allez, je cours 80 pas, je marche 20 pas. Et j'alternais comme ça, 80 pas en course, 20 pas en marche. Et ça m'a permis de tenir. Après, ça devenait quand même trop dur, donc je suis passé à
60 pas courir, 20 pas marcher. Et quand c'était vraiment trop dur, que les crampes venaient, ben je marchais un peu plus longtemps, après je recourais de nouveau. Et à la fin, quand il restait plus que 3 km, je me suis dit, allez, cette fois je cours jusqu'au bout. Allez, je donne tout ce que j'ai et je cours jusqu'au bout. Mais j'ai pas réussi quand même, j'ai encore marché un peu. Et je dirais les 600 derniers mètres, j'ai plus marché. J'ai couru une bonne allure autour des 5,10, 5,20 par kilomètre. J'ai franchi la ligne d'arrivée et là je me suis presque effondré, hein, j'étais vraiment pas bien. Un super staff pour nous accueillir. Donc je me suis assis dans une chaise longue, on m'a apporté un petit verre de coca, on m'a mis une serviette humide sur la tête pour essayer de récupérer. La récupération a été vraiment extrêmement dure. Toute la soirée, j'étais pas bien, j'étais obligé de garder la tête à peu près à la hauteur du cœur pour que le sang puisse bien circuler. La nuit, j'ai bien dormi et le lendemain, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Alors j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais bientôt faire à nouveau une vidéo sur le triathlon, mais cette fois pour un triathlon distance olympique. Ce sera le triathlon de Nyon dans un mois. Si vous avez aimé, mettez un like et n'hésitez pas non plus à partager et à mettre des commentaires. Notamment, que pensez-vous de mon plan nutritionnel ? Est-ce que c'est mon plan qui n'était pas efficace ou est-ce que c'était un problème de chaleur, de canicule ? Voilà, pendant le marathon, on a passé à côté de jeunes qui surfaient. Qui surfaient en fait à la sortie de vannes. Ils attachaient des cordes à un pont et ils surfaient l'eau qui sortait des vannes. Ça avait l'air super sympa. J'avais plus envie d'aller les rejoindre que de continuer mon marathon. Mais bon, voilà, j'avais une mission. Ma mission était de courir un marathon après avoir fait 180 km de vélo et plus de 4 km de nage, officiellement 3,8, mais tout le monde a nagé au moins 400 mètres de plus. À un autre endroit, sur ce parcours de course à pied, il y avait des jeunes qui sautaient depuis une grue dans le lac. Et ça aussi, ça faisait super envie. Mais bon, là, encore une fois, j'avais ma mission à accomplir. Le reste du parcours, vraiment magnifique, dans des parcs, au bord du lac, le long de plages, dans la ville, dans des endroits vraiment magnifiques. Des super ravitaillements, des super bénévoles pour nous aider. Vraiment, probablement le plus beau Ironman que j'ai fait. Probablement aussi le plus dur, ou en tout cas l'un des plus durs, hein, vu les conditions météo du jour.